Bonjour, cette semaine, on est à un magnifique endroit. On est dans le secteur des Portes de l'Enfer, dans la réserve faunique des Laurentides. Donc, on va se faire gâter cette semaine. C'est un plan américain. On est ici, c'est un site qui est chargé d'histoire, donc beaucoup d'histoire. Et ça tombe bien, 2020, c'est le 125e anniversaire du territoire ici qu'on appelait à l'époque le Parc des Laurentides. Donc, on va vous parler de ça, on va se gâter, on va se faire plaisir. Je vous souhaite un bon reportage. Ce matin, on a décidé de venir au lac Marchand. C'est un lac qui est particulier, il est quand même assez loin de l'hébergement. Par contre, là, il y avait de la pluie un peu, donc on savait que l'endroit est équipé d'un petit camp où on peut se réchauffer. On est arrivé ici, il pleuvait, donc avant de commencer la pêche, on est allé se réchauffer un petit peu au camp. Puis ce lac-là, il y a de la truite mouchetée et il y a aussi de l'ombre chevalier, qu'on appelle la truite rouge du Québec. Puis il y en a toutes les grosseurs, donc on peut avoir des belles surprises. Le lac est quand même assez grand, donc on va aller explorer ça avec les enfants ce matin. Une truite mouchetée. Est-ce que tu vas m'aider avec le filet, Constance? Oh, quand même, elle me donne des bons petits coups. Tiens, Constance, je vais avoir besoin de ton aide. Tu vas la prendre avec le panier. Yop, OK, monte-la dans la chaloupe. Hey, beau petit poisson pour commencer, ça? Oui. Hein? Mort, oui, attends! Oui! Vas-y! Rile-moi ça, là! Vas-y doucement, il faut que je la voie! Et palais! Oui! Hey. Oh, je l'ai, Siméon! Bravo! Hey, le beau poisson, mon champion! Je savais qu'on aurait une! Hey! Garde ton poisson, c'est beau! Ouais. Hey, hey! Quel beau poisson, Siméon! J'ai de quoi, là? Oups, c'est beau! Garde ça, allez, Siméon! Je suis prêt. T'es prêt? Oui, champion! Solide, Siméon! Donc, on termine bientôt notre première journée de pêche au secteur des Portes de l'Enfer. C'est génial. Tu sais, on a vraiment profité de tout ce qui est offert aujourd'hui, de la majorité des choses qui sont offertes. Alors, on s'est servi du gazebo sur le côté du lac, un endroit où on peut se mettre à l'abri. Puis également ici au lac Marchand, c'est une nouveauté depuis 2017. Il y a un camp rustique qu'on utilise à la chasse, mais qu'on peut utiliser aussi durant la pêche quand on séjourne au Port de l'Enfer. Donc, c'est un lac qui est quand même assez loin. On capture 2 à 3 000 poissons par année. C'est un très, très bon lac de pêche ici. Mais on a profité des installations. Donc, on est allé se réchauffer. On a mangé dans le petit camp qui est flambant neuf. Donc, c'est un autre service qu'on offre. Là. On essaie de bonifier à chaque année l'expérience du client ici au Port de l'Enfer. Puis là, on va retourner goûter encore une fois hier. Le repas était excellent. On a choisi nos repas ce matin, donc on s'attend encore une fois ce soir à être gâtés. Les clients ici sont gâtés. C'est ce qu'on appelle un service plus. Donc, c'est un peu plus que ce qu'il y a habituellement dans les standards de la CEPAC. Pour le 125e, je vous souhaite de vous gâter aussi. En 2020, on fête un anniversaire qui est très, très important. Ça fait 125 ans que ce territoire-là est protégé. C'est un territoire québécois dont on doit être fier parce que c'est un joyau de toute beauté. Thank you.
pourquoi c'est si important de fêter le 125e anniversaire du territoire ici? C'est parce qu'en 1895, le gouvernement du Québec a décidé de créer l'un des plus gros parcs au Québec. Donc, on a créé le parc de la Montagne Tremblant et on a créé ici le parc des Laurentides. Ça faisait suite à la création des parcs américains de Yellowstone et du parc de Banff au Canada, qui avait vu le jour un petit peu plus tôt, là, quelques années auparavant. Donc ici, on fête la protection, la mise en valeur d'un immense territoire pour les Québécois. À l'époque, c'était très strict. On rentrait dans la réserve comme on rentrait à l'église. Donc, il y avait vraiment des barrières à l'entrée du parc des Laurentides et à la fin du parc où on fouillait les gens, on notait l'heure, on notait le nom des gens et la plaque d'immatriculation des véhicules. Donc, tout était extrêmement contrôlé. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, la population du Québec peut jouir d'un territoire comme ça qui est exceptionnel, où l'on pêche l'espèce indigène, la truite mouchetée, qui est l'espèce vedette, mais aussi on pêche l'ombre chevalier. L'ombre chevalier, c'est une espèce qui est descendue à la fin de la fonte des glaciers. Donc, on est très chanceux d'avoir ça. Ça a été étudié aussi par d'autres pays comme la Suède, ces phénomènes-là qui sont très importants. Donc, il faut cette année que les Québécois comprennent justement toute cette importance-là. On a engagé un historien qui nous écrit un livre. Donc, dans ce livre-là, on va retrouver toutes sortes d'anecdotes. Il y a toute l'épopée de Madame Davenport. On voit des noms de lacs souvent quand on est sur la 175. On se demande d'où viennent ces noms-là. Donc, suite à la lecture du livre, vous allez comprendre qui est Madame Davenport, qui est le général Tremblay, et ainsi de suite. Chaque nom de lac a son histoire. Et on comprend aussi toute l'importance du territoire quand on regarde la source des rivières au Québec. Donc, dans la réserve, on a la source de la Sainte-Anne, on a une partie de la Batiscan aussi qui prend sa source ici, la rivière Malbaie, la rivière Jacques-Cartier, donc c'est beaucoup, la rivière Amars, la Métabetchouane, la rivière des Écorces, c'est des rivières très importantes et on passe souvent près du fleuve ou près du lac Saint-Jean, on croise ces rivières-là. Mais il faut comprendre que ces rivières-là sont pures, sont belles. Pourquoi? Parce qu'ils prennent leur source dans la réserve faunique des Laurentides. Le deuxième aspect très important aussi, le réseau routier. À l'époque, 1860 environ, on commence à construire une route qui va relier la ville de Québec au lac Saint-Jean. Donc, ça s'est fait sur plusieurs années. Ça a été très difficile. Et un exemple, pourquoi ça s'appelle les Portes de l'Enfer? Parce que le chemin arrivait ici. Les Portes de l'Enfer, c'était le dernier campement avant d'accéder à une section très, très difficile, très marécageuse. C'était un chemin d'hiver et on disait que c'était l'enfer à traverser cette section-là. Donc, vous allez découvrir à travers ce livre-là toutes sortes de petites anecdotes. À l'époque, avant la création du parc des Laurentides, les gens de Saint-Urbain étaient tannés de manger de l'anguille durant le carême. Donc, ils montaient avec les chiens, les traîneaux, et ils remplissaient les traîneaux de truites grises pêchées sur le lac des Neiges. On parlait qu'ils cordaient la truite grise d'un mètre de long comme des cordes de bois sur les traîneaux et redescendaient ça au village au plaisir de tout le monde. Il y a aussi tous les récits d'un des plus grands coureurs des bois du Québec qui s'appelle Thomas Fortin. Donc, quand on prend la peine de lire tout ça, l'histoire, on voit que cet homme-là est un phénomène extraordinaire au Québec. Il connaissait la forêt sur le bout de ses doigts. Il était le guide aussi de plusieurs Américains importants qui venaient parce qu'à l'époque, on appelait la réserve faunique des Laurentides The Fishing Paradise. Donc, il y avait beaucoup de publicité qui était faite aux États-Unis. Les riches sportsmen venaient fréquenter la réserve faunique ici, partant en canot avec les guides, exactement où je me trouve. Descendaient ici, allaient sur la rivière Picauba, allaient à la pêche. Donc, on va découvrir toutes ces archives-là. Il y a aussi l'expression « faire un lac à l'épaule ». Ça vient d'ici, ça, justement, le lac à l'épaule qui est situé maintenant dans le parc de la Jacques-Cartier. À l'époque, en 1944, lors de la Deuxième Guerre, toujours, Roosevelt, Churchill, Mackenzie King se rencontrent dans notre pavillon et discutent de stratégies militaires pour mettre fin à cette guerre-là. Et en lisant les histoires, on se rend compte que le territoire est super important pour toute la périphérie. Donc, tout le monde, les gens de Charlevoix ont des choses à raconter, car c'est eux qui travaillaient à l'époque dans le territoire des Grands Jardins et dans le territoire du Lac des Neiges, tout ça. Les gens de Sainte-Brigitte-de-Laval, les gens de Stoneham, on a les gens de Portneuf, les gens du Lac Saint-Jean.
Et encore aujourd'hui, la plupart de nos employés viennent de ces endroits-là et ils travaillent avec grande fierté. Donc, c'est toutes sortes de faits historiques et d'anecdotes dont on va parler durant toute l'année 2020. Il va y avoir des activités d'interprétation et vous allez voir dans les médias sociaux toutes sortes de choses dont vous n'aviez jamais entendu parler, mais qui vont marquer cette année importante-là. Et je vous invite à venir toujours sur le territoire, le découvrir. Donc, vous êtes les bienvenus dans la réserve faunique des Laurentides qui s'appelait à l'époque le Parc des Laurentides. Une super belle journée qui s'annonce aujourd'hui. Là, on vient à la pêche avec Jérémy, donc on se gâte avec une journée guidée, cette affaire aux portes de l'enfer. On va faire quoi aujourd'hui, Jérémy? Bien là, on se prépare pour la pêche, on décolle en chaloupe, on va aller prendre la poisson en quantité pour se faire un beau lunch, pour faire un super short lunch. En plein air, tu vas nous préparer ça sur la grille ici. Ouais. On fait ça sur le feu, puis patates, steak, une poisson, puis tout ce qu'il faut. Fait que les gars s'occupent de tout, vraiment de tout sur l'heure du midi. Là, ils nous préparent ça, les ustensiles, tout ça. Tout est prévu à l'avance avec le bois. Fait qu'on va prendre du poisson. Il y a plusieurs guides, c'est offert ça en extra finalement, mais c'est un sacré bel extra là, pour les gens qui veulent se gâter. C'est probablement la journée la plus expérientielle d'un voyage de pêche aux portes, c'est la journée guidée. Puis si vous voulez, Jérémy, ça fait longtemps qu'il est aux portes, il faut le réserver à l'avance. T'as pas aimé la... Oh! C'est une belle, okay, Constance! Belle. Ça à la perfection, Constant. On ramène doucement, mais constamment. Je continue de rouler. Garde ta cam bien haute. C'est bon. Oh, oui. Hey. Sur la mouche rose. Elle tirait plus parce que quand elle est sur la mouche, on la sent mieux. Alors, c'est une autre belle. Alors, c'est comme ça que se conclut un autre formidable séjour dans la réserve faunique des Laurentides. C'est un séjour qui m'était un peu particulier, qui m'était cher, parce que mes enfants sont la 5e génération à venir à la pêche ici. La réserve existe depuis 125 ans, donc c'est 125 ans de protection, de mise en valeur. C'est pour ça qu'on pêche encore aujourd'hui seulement de la truite indigène dans la réserve faunique des Laurentides. Et on vous invite, 2020, c'est important, donc c'est une année où il va y avoir beaucoup d'activités. Vous pouvez consulter le site web de la CEPAC, le site web de la réserve faunique des Laurentides et la page Facebook. Vous allez pouvoir voir le calendrier de tout ce qui va se passer. Vous êtes les bienvenus, c'est un joyau pour les Québécois. Donc, venez faire votre tour et venez vous approprier ce magnifique territoire.